tous sur ce live, mesdames et messieurs. Pour ma toute première fois, mon dépucelage sur un Final Fantasy. J'ai jamais joué, j'avoue. J'ai jamais joué à Final Fantasy. Mais c'est un jeu qui m'a toujours un petit peu attiré. Voilà, donc on va voir ce que ça vaut, hein, tout simplement. Comment sera la petite cinématique des familles qui fait plaisir, hein, comme d'hab. Donc je connais absolument rien. Bonjour madame. Embrouille. Oh, le travail d'équipe magnifique. Oh, c'est quoi ce gros balèze? Le nouveau, viens ici. Ah, lui, c'est le héros. Oh, mais c'est énorme! Ah ouais, c'est pas de l'épée de PD, ça. Ok, je peux faire que ça pour l'instant. Et sprinter. D'accord. Il te manque un bras, frère. Passagère! Qui êtes-vous? À toi de jouer. D'accord. Là, un intrus. Les mains en l'air. J'ai autre chose à faire. Je fais rien, ouais, j'ai bref fait encore. Allez, on compte sur toi. Pourquoi je vais faire ça le boulot, moi? Plus un geste! Ne nous forcez pas à tirer!
Ok. Bravo du soldat, d'accord. Vous gênez pas. Me tire pas dessus, ton enculé. Mais c'est énorme. Ok, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Ça marche. Ouh. Wesh les mecs. Lâchez votre arme. C'est pas une arme, c'est une épée. Le tour est joué. Ça, c'était bien vu. Rendez-vous gentiment. Faut pas que je me fasse encercler. Trop faible, trop lent. Ah. C'est énorme. Oh, est-ce que je l'ai mis? Ah mais tu peux faire des combos sympas en fait. Je peux aller par là? Non, je pense pas. Ok. Ah, faut vraiment suivre le chemin, qu'on peut pas... On peut tout casser? Non. Ok. Ok, d'accord. Triangle, c'est pour interagir. Qu'est-ce que je trouve là-dedans? Des potions? Ça me servent à quoi les potions? Pour la santé, je suppose. Ah. Et des grenades. Ah ouais. D'accord. Ok. Avance. Dis, c'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp? Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Ah. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Ah ok, d'accord. Ah ouais, ok, il est... Par contre, il a pas l'air commode. Il est pas très gentil, Cloud. Ah, va me pécho, elle. Mais lui, il est trop stylé, lui. C'est ça. Disons que tu joues pas dans la même catégorie. Allez, c'est bon, j'aurais pas dû demander. C'est comme comparer... C'est bon, je t'ai dit. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant ça que... Ça m'intéresse pas. Hein? Oh putain, énorme. Oh, il lui met de ses râteaux, Cloud. Wedge. Abonne-toi, Bouboule. Il a perdu un bras, lui. T'as intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. Pas le malin, toi, je te découpe, mec, l'autre bras. Ça. Allez, attaque!
Qu'est-ce qu'il veut le Kalish? Je vais commencer par toi. Tiens, mange. À ton tour maintenant. C'est dommage qu'il n'y a pas le démembrement. Oh, il est plié en deux. Excuse-moi frère, ça va? Tu vas bien? Dommage qu'il n'y ait pas le démembrement, je kifferais que genre tu vois des bras volés, des mains volées, ce serait stylé. Ah, attendez-moi, wesh. Merci frère. J'ai gagné des médailles, je sais même pas à quoi ça sert. Ouais, salut Malhonnête, et oui, désolé, ouais, c'est mon premier Final Fantasy, malgré mon âge, et déjà c'est stylé, mais j'aurais bien aimé que tu vois un bras qui s'envole. Ouais, c'est une épée que j'ai, c'est pas un cure-dent. L'épée fait la taille du bonhomme. Je sais même pas comment il la porte. Ok, c'est ça. Une potion et une pierre de ma PM restaurée. Point de vie. Ah, point de vie PM. C'est par là. J'arrive. On a de la compagnie. Je te les laisse. Hein? Pourquoi? Oh, il y a nouveau un caniche. Oh, ah ouais, c'est pas un caniche en fait, non. Ah, graphiquement, ça démonte sa tente, ouais. On va d'abord découper le garde. Voilà. Il est où le chien? Il est où le chien? Il est où le chien? Là, 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 là. Enculé! Oh, ce que je lui ai mis! Ah, tu fais moins le malin, Rouya! Allez, hop là! Moi, je te démonte, moi. Désolé, petit caniche. Pourtant, j'aime bien les chiens, mais là, celui-là, il est pas très très gentil. Oh, l'arnaque, y'a rien dedans. Oh, je me suis fait baiser. C'est de toute beauté. Oh. Aïe, mange sans ta dent, regarde. Hop là, mec. Attends, il est où l'autre? Oh, et ben il est parti le monsieur. Monsieur. J'aime bien la musique, elle pète. C'est vrai que le personnage il pète, j'aime bien, il est grave stylé. J'aime trop sa tenue en fait. J'arrive, je suis le Cloud. Sprint, oh là là, j'allais trop vite là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça va être la merde. Il paraît que les soldats d'Ashinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Le problème, malhonnête, c'est que en fait, tu dois connaître les réacteurs par cœur. C'est honteux à dire ça. Emmène-moi mais jusqu'au pont du réservoir d'énergie. J'ai jamais joué à Final Fantasy. C'est mon tout premier. Ça te pose un problème? Je connais pas trop les musiques. On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'as encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça change rien. Je connais pas l'histoire, je connais rien en fait. On avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle. Bah, je sais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai entendu pendant toutes ces années. Pourtant, j'ai un certain âge, hein, j'ai joué à la Play 1, Play 2, tout ça. Je connais la série et tout, mais j'ai jamais joué. Je sais que de ce qu'on m'a dit, le 7 c'est le meilleur. Alors pourquoi, je sais pas. Deux secondes, j'y suis presque. Je sais pas pourquoi c'est le meilleur. Parce que je connais pas du tout l'histoire, je connais rien du tout. Qui va là? Ferme vite. Le problème c'est que si, en plus si les histoires sont liées. Merde.
Bah, je connais pas ce qui s'est passé avant le 7 en fait. Faudrait que je mette des résumés sur internet. C'est ce moi que je vais dire. Ha ha, moi me rendre. Mais gamin, c'est mal me connaître. Il est seul contre nous. Il a aucune chance. Feu à volonté. Ils sont tous morts là. Mais je suis trop bouillant. Passons à la suite. Mais je suis trop chaud sa mère. Concentre-toi. Oh, je suis chaud the night, je les ai découpés. FF, pas FF. L'histoire est juste fabuleuse. Les persos sont classe. Non, t'inquiète, tous les FF sont indépendants. Ah, d'accord, ok. Après, ouais, les personnages sont classe, j'aime bien. J'aime bien le car design du bonhomme et tout, là. Il est grave stylé. Mais c'est pas dans Final Fantasy qu'il y en a un qui s'appelle aussi Sephiroth ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Salut Buffy, comment vas-tu? Pour ceux qui connaissent Final Fantasy, n'hésitez pas à m'écrire tout ça, parce que moi je connais rien du tout. C'est plutôt nous la faction. Donnez-moi des infos. Hein. Donnez-moi des infos. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. N'hésitez pas à me dire ce que vous savez sur Final Fantasy, parce que. Ah, Buffy, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi mon Wizbot il t'a jeté 60 secondes? Bon, quand elle va revenir, je vais lui demander ce qu'elle a fait. Mon Wizbot, il a été méchant là. C'est quoi ce délire? Wesh, mon Wizbot, il a pété un plomb. Je sais même pas ce qu'elle a dit, la pauvre. En plus, elle est grave gentille. Ah, ça me fait chier. Attends, je vais focaliser, en plus je l'ai su sur Twitter en plus. C'est pas un modo en fait. Ballonnette, c'est un Wizbot. C'est un robot en fait. Appuie sur le bouton à droite. C'est un robot qui truc. Mais je sais pas pourquoi il l'a. Je sais pas. Je vais lui demander ce qu'elle a fait. Majuscule non autorisée. T'es un ami de Tifa, ce qui paraît. Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche? Buffy, je sais pas ce qui s'est passé, excuse-moi, pardonne-moi, je sais pas pourquoi mon bot il t'a pas aimé. Tifa et moi. C'est qui Tifa? Aidez-moi. C'est qui Tifa? Dites-moi, je connais pas Tifa, qui est-ce? C'est la meuf à Cloud? Sa copine d'enfance. Ah, d'accord. Une brune à grosse poitrine. D'accord. Non, mais après, c'est un détail comme un autre. Hein. Et c'est une gentille ou une méchante? Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Oh, il fracasse le bonhomme. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit gentil. De la même organisation okay, que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Et lui, c'est le grand méchant, là, le moustachu, là? Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, non. Cette saloperie okay. de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Mais je sais même pas ce qu'il raconte. S'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Ah. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Non, en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est un petit peu... Quoi? Arrête de gueuler, toi. Hein? C'est un petit peu écologiste, on si dirait, non? Pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça? Ben ouais! Mais il est malade, lui. Bah, arrête, il est fou. Hein? Tu te fous de moi? Oh, il fait trop le malin, lui, je vais le découper. Si tu veux, oublie la planète deux secondes, la saga et pense FF16. D'abord à ressortir d'ici vivant. Ouais, mais je pense que avant qu'il sorte, je vais me renseigner un petit peu parce que j'ai envie de savoir un peu plus, en fait. Comme dit, c'est mon premier Final Fantasy, j'y connais rien. Maintenant, va falloir être prudent. D'accord, ok. Donc c'est un jeu écologiste, quoi. Oh, me braque.
serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Ah, genre ça, c'est vraiment le début du jeu, ça? Y a rien avant? L'heure. Mais on s'y fait. Essaie de pas me décevoir. Mais il nique tout, Claude, c'est un malade. Mais Sephiroth, c'est qui en fait? Parce que je... souvent, surtout dans les jeux vidéo ou quand je discute avec des gens qui sont fans de Final Fantasy, j'entends parler de Sephiroth, mais je sais pas qui c'est. Grâce au canon qui est greffé à son bras droit, Barrett peut tirer à distance aux ennemis. Appuyez sur canon pour le faire. Ok, d'accord. Mais Sephiroth, c'est pas celui qui a des cheveux longs ou un truc comme ça? Expliquez-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi. Apprenez-moi. Apprenez-moi, je suis débutant dans Final Fantasy. Dites-moi tout. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi faire. Ça, c'est ce que j'appelle être efficace. Je vais tout dégommer. Mais c'est grave long de faire ça. Mais elle est pourrie, son arme. Bah elle pue la merde, son arme. Moi je préfère jouer avec Cloud hein. Cloud il est mieux hein. Ah, c'est Sephiroth, il est dans le 7. C'est un personnage du 7. D'accord. Bah, Barrett, il est classe, mais je préfère Sephiroth, hein. Essaie de justifier ton salaire. Tu me gênes. Bouge-toi. Sephiroth, pardon, Cloud. Cloud, il est beaucoup plus stylé, ouais. C'est bon, tout le monde est mort? Ah, genre quand j'ai... En fait, quand tu débloques les personnages, tu peux créer ton équipe après? Ouais, Final Fantasy, je sais qu'il était sur Play 1 en 3 CD, parce que j'avais mon cousin qui l'avait. Mais j'ai jamais joué. Et je savais pas que c'était le seul qui était en français. Ah, c'est cool. Parce que les Final Fantasy avant le 7, c'est pas du combat en tour par tour à la Dofus, là? À la base? Regarde ça. Des rideaux laser. Je m'y attendais. C'est quoi ça? La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Ok, tu d'accord. Sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé hey. Regarde-moi bien. C'est tour par tour, ok, d'accord. Donc à partir du 7, c'est devenu du combat en temps réel. Mais jamais traduit à l'époque. D'accord. Ah donc c'est full japonais quand tu jouais? Oh la merde. Oui, voilà, très bien. Impressionnant. Ouais, connu plus dur comme comme. Oh putain, j'étais pas vu. Mais casse-toi toi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me colles au cul comme ça là? Non, le 7 tour par tour. Mais là, c'est pas du tour par tour là. Là, c'est du combat en temps réel. C'est quoi? C'est que le remake qui est en temps réel? Ah, donc c'est que le remake qui est en temps réel.
Oh mais nique ta mère là, pardon. Je veux aller trop vite. C'est mon gros défaut. Ah. Et ma jauge de vie, elle est où en fait? Non, mais c'est mieux que le remake. Mais c'est mieux en temps réel. Ah ouais, moi je préfère en temps réel. Hein. C'est beaucoup mieux. Tu vis plus l'action que... Quand tour par tour, c'est chiant, tu t'arrêtes, machin, nanana. What? C'est quoi ça? Soyons prudents ou elle pourrait bien nous balayer. Pas si on les réduit en pièces. Oh my fucking biatch god. Attends, y'a un coffre. Ah, attendez. Parce que là, ça va chier les bulles. Ah ouais, c'est propre, hein. Franchement, le jeu, il est propre. C'est jamais qu'un gros tas de ferraille. Il est équipé d'armes puissantes et d'un épais blindage. Je te conseille de faire gaffe, si tu veux pas mourir. Tu veux faire quoi? La magie devrait bien l'endommager, mais faut l'utiliser au bon moment. Tiens, je te crame le cul, mec. Alors, exécuter l'attaque partir. Ok, d'accord. L'intégration de fragilité apparaît au niveau de la joue de choc. Ok. Ici, il y aura des compétences ou des sorts pour remplir petit à petit la joue de choc. Si tu es au-dessus de la barre de points. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Bah, dis-toi que mon tout premier RPG, c'était Skyrim. Ouais. J'ai toujours détesté les RPG. Et un jour, j'ai commencé Skyrim. C'était l'erreur fatale. Et mon gros défaut, c'est quand je commence un RPG, après je joue qu'à ça. Et j'oublie tous les autres jeux. Et le problème, il est là en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à... J'aimerais bien faire Gridfall aussi. Mais si je commence, je vais plus arrêter. Oh, on l'a fait tomber. Il faut profiter de cette occasion. Donc quand il y a fragilité, je fais un sort de feu, nettoyeur, bim. Moi je te défonce tes grands morts mon pote. Ça va pas durer longtemps. On va se créer une autre opportunité. Allez, on recommence. Maintenant, on y va à fond. On me le dira pas deux fois. Je vais m'en donner à cœur joie. Oh, je lui découpe sa grand-mère. Oh! Mais tu sais pas qui je suis, moi, mec. Oh, je l'ai eu. Oh! Skyrim, c'est la vie. Première classe. Ah, Skyrim, je l'ai platiné sur PS3, je l'ai platiné sur PS4, j'ai fait tous les succès sur Xbox 360. Je l'ai sur-retourné les yeux, j'ai tellement adoré. J'étais ultra love. Ultra love, ultra love, ultra love. Eh, salut meuf. Et elle, ça va devenir ma meuf? Cloud, il va avoir une romance avec qui, dites-moi? Obligé, Cloud, il va se taper une meuf, c'est obligé. Bonjour. Non, hélas. Ah, il a pas de meuf, Cloud. Oh là là. Oh, il est tout beau gosse et tout, il a pas de meuf. Puh. Aerys et Tifa. Aerys, c'est qui? On arrive au cœur du réacteur. C'est là-bas qu'il faut... Par contre, si je puis me permettre, je vois, il y a des gens dans le live. N'hésitez pas à participer à la discussion avec Palonette et Buffy. Apprenez-moi des choses, parce que je connais rien sur Final Fantasy. Et bien sûr, n'oubliez pas de me follow, ce serait très très gentil à vous. Voilà, je vous fais la bise, hein, je vous aime. Mais le follow, c'est la vie. Alors follow-moi. Parce que moi, je suis gentil. On approche. Bon, en tout cas, le jeu est... Et fluide et beau, ça fait plaisir quand même.
Avec le petit radar en haut à droite, ça fait plaisir ça. À l'ancienne. Qu'est-ce qu'il y a, t'as les chocottes ? Ah, c'est la fille aux fleurs ! Ah, elle est super. Ah, c'est qu'elle est jolie. C'est une jolie fille. Mais elle ressemble un peu à une magicienne, elle. Le cœur du réacteur est juste en bas. Moi, je vais attendre. Parce qu'après, je pense. Les personnages ont des compétences spécifiques, je pense. Non, pas par là. Descends par l'échelle. Ah, mais c'est bon. Par contre, c'est un petit peu trop. Couloir. Ça me gave un peu. Que j'ai pas le droit de me promener où je veux, ça me fait un peu chier. Youhou! D'accord. Et c'est parti! Bim, bim! Ils sont où? Oh, ils sautent! Oh! Mais c'est où mes points de vie? Je sais même pas où ils sont! T'as l'air sacrément mal en point là! T'es sûr que ça va aller? Mais sous mes points de vie. Bon, on va prendre lui. Et voilà, mon pote. Je vais mourir. Ah, ils sont en bas à droite, mes points de vie. Ah, mais j'ai ma gueule en bas à droite. D'accord, donc quand je jouerai à Final Fantasy, il faudra que je mette la caméra en haut à gauche. En haut à gauche, à rien. Donc là il faut que je prenne de la vie, il me dit. La vie c'est la potion, je suppose. C'est ça? Ok. Potion c'est la vie, j'en ai 26. J'ai de quoi faire. Ah ok. Et là j'ai de la vie là. Que la moitié, on va prendre une petite en plus. Et voilà. D'accord, ok. FF13, il est plus couloir que ça? Bah putain. C'est un peu dommage. Final Fantasy, il sort dans pas longtemps, je crois, attends. C'est pas en mars ou en... Non, c'est pas en mai ou un truc comme ça? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Il sort... Ah, le 10 avril! Bah parfait! Le 27, j'ai anniversaire. Offrez-moi le, merci. Y'a pas un collector qui est prévu là? Parce qu'il faut que j'agrandisse ma collection qui est derrière moi. J'ai encore un peu de place donc Si on tombait, tu crois qu'on irait jusqu'au cœur de la planète? Le réacteur aurait vite... Bah de toute façon tous les jeux ont été reportés cette année, c'est abusé. Oh, je kiffe trop les combos en l'air. Le collector est moche? Ah merde! Oh, ça fait chier ça! Parce que là j'ai précommandé le collector de The Last of Us 2, j'ai précommandé le collector de Cyberpunk, j'ai précommandé le collector de. J'ai pris quoi encore? Je sais plus ce que j'ai pris. En gros, j'ai claqué précisément 700 balles en collector. Ah! Resident Evil 3! J'ai précommandé Resident Evil 3 en collector, Cyberpunk et The Last of Us 2. Oh là, ça pue le boss là. Là, tu vois, là, c'est typiquement arène de boss. Genre, c'est immense et tout. Ah oui, de l'articulé, c'est de la merde, ouais. Moi, j'aime pas non plus les figurines articulées. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter.
La bombe, c'est toi qui vas la poser. Oh, il est... Moi, je trouve qu'il est beau, le cyberpunk. Tu vas me connaître, moi, je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. Ah, il se joue en ligne, le jeu, Balonette. Quand tu dis ça, c'est parce que ça se joue en ligne. Ah mais Cloud, c'est un gentil ou un méchant, je comprends pas là. Parce que des fois il se tire la tête, genre il a des problèmes. Ouais, là il fait ça. Pourquoi il fait ça, Cloud? Qu'est-ce qui lui arrive quand il fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a un lourd passé. Mais il y a des problèmes mentaux? Non, c'est rien. Tu mets combien de temps? C'est toi qui décides. Bah, je vous laisse le choix. Je mets 20 minutes ou 30 minutes? Vous préférez que je mette quoi? 20 ou 30? 20 minutes? Ça suffit? Ok. Qu'il faut découvrir FFF Crisis... Crisis Core, c'est quoi ça, FF Crisis Core? Ah. Oh putain, il faut que je finisse la démo et que je parte dans le 25, sérieux là? Bah, attendez. Je réponds juste à un message. C'est les joies de l'astreinte quand vous travaillez dans... Quand vous travaillez dans le médical. Justement, c'est le jeu avant l'événement de FF7. Sorti sur PSP. Ah bah ouais, mais celui-là, moi je l'ai pas, moi. J'ai pas la PSP. J'espère que t'es sûr de toi. Oh, t'as osé nous piéger. C'est quoi ça? Là, oh. Hein? C'est quoi ce truc? Wouh! Une araignée. What? J'avais dit, hey, ça pue le boss. Comment on combat ce machin? Il a un blindage renforcé, mais il est vulnérable à la foudre. Utilise la magie. Ah, quand faut y aller. Ah, j'ai l'impression que ça lui fait que dalle. Je t'ai dit d'utiliser la magie. Je me demandais si c'était vrai. Te pose pas de questions. Fais-le. Oh, mais comment je l'esquive, enculé? Il va me falloir des soins. J'ai pris des dégâts. Faut que je fasse attention. Ouais, vas-y, je lui fais aucun dégât, wesh. Oh, mais je lui fais aucun dégât. L'autre, il sert à rien, l'autre. C'est quoi, ça? Ah, mais j'ai des grenades. Magie feu? Bah j'ai que ça! J'ai que la magie feu! Oh! Impressionnant. Ils savent vraiment faire des machines. Oh! Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Monsieur le soldat a un petit problème. Tu veux un coup de main? C'est ça? Désolé, je suis pas arrivé à temps. Je comptais pas dessus de toute façon.
Ah, voilà, foudre. Ouais, t'as raison, ça a l'air de bien marcher. Ouh, biatch. Ça sert à quoi, l'éther? C'est quoi, ce truc-là? Une barrière? Je n'ai jamais vu ce système de défense. Je croyais que t'étais un expert. Et toi? Je croyais que t'avais pas besoin de moi. Je vais lui montrer ce que je sais faire. T'approches pas trop si tu tiens ta peau. Pour Eugène Tamala, ok. Ah, oh, si je vous lis pas trop, vous m'excuserez, mais je galère en même temps. Hein. Il a décidé de nous faire chier. Ah, je peux pas enchaîner les... J'ai encore la pêche, il faut seulement un peu de soin. Il est où le bâtard? Wouh! Mais il est malade! On arrivera à le buter en continuant comme ça! Arrête de te plaindre et tire-lui dessus! Tu dis ça, mais tu fous pas grand chose, toi! Quoi? Ça passe pas! Ah, ça passe pas, il a dit. Gros Séjard, c'est quoi? Il tire plein de missiles là, je sais pas quoi là. Mais qu'il arrête un peu de s'exciter comme ça, il me fait mal là. Et voilà le travail. Pas de temps à perdre, finissons-en rapidement. Ah putain, il m'a touché. Mais il fait trop mal. Mais il fait trop mal! C'est vaincre par une saleté de scorpion! Encore cette barrière! Il fait trop mal! C'est qu'une égratignure! J'en ai vu d'autres! Je peux pas esquiver ces putains de missiles. Casse-toi! Ça, tu perds rien pour attendre! Ah oui! Oh oui! J'ai encore la pêche, il faut seulement un peu de soin! Mais vas-y, mais. Il me défonce ma gueule! Cloud, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Comment ça est lourd, Kila? Merde, pourquoi c'est toujours moi que tu vises? Il est où? C'est difficile quand le boss lance des missiles. Reprends Cloud. D'accord, merci des conseils. Vaut mieux que je prenne Cloud, ok d'accord.
Bah je peux pas le toucher avec Cloud, c'est ça le problème. C'est là, faut l'attaquer par derrière. Ah voilà, d'accord, effectivement ouais. Cloud avec le sort feu, d'accord. Il est vénère lui. Mais il casse tout. Attention à sa queue, il s'apprête à tirer un laser. Oh. Mais on fait quoi maintenant? On évite de se le prendre. On se cache derrière les débris. C'est l'occasion de contre-attaquer. On y va. Oh, vas-y là. Aïe. Je devrais peut-être me soigner. Putain, quand tu connais pas trop Final Fantasy, c'est dur quand même. Oh, 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 ils m'ont enchaîné là. Bah, j'esquive, arrête, rouya. Il suffit de bien analyser ses attaques. Le laser, fais attention. Ça va, j'ai compris. Alors dépêche-toi de te mettre à l'abri. C'est l'occasion de contre-attaquer. On y va. C'est la merde. Oh, je me fais démonter ma grand-mère. Transcendance. J'ai pris des dégâts. C'est... Attends. Je vais me soigner déjà. Et transcendance, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, ça dit que tout. Bordel, faut que je me soigne là. Encore faut que je me soigne. Ah ouais. Bye manette, merci. Ah, l'attaque il peut l'esquiver. L'attaque spéciale il peut l'esquiver. Oh le bâtard. On recommence. Vite. Y'en a ras-le-bol de se planquer. Prends-le en pleine face si tu préfères. Allez, profitons-en. Ah, oh, vas-y, j'allais faire mon attaque spéciale là. Ah, je peux pas esquiver les lasers. Il faut pas rater le bon moment. Il est où le bâtard? Il s'apprête encore à tirer. Reste pas à découvert. Occupe-toi de tes fesses. Vas-y, je suis bientôt à bout là. C'est l'occasion de contre-attaquer. On y va. Tiens, ta gueule. Mais je sais pas beaucoup de dégâts, je trouve. Hein. 17, 22, c'est nul. Ça, j'oublie souvent de le faire. Ah, j'ai pas pu esquiver. Oh, enculé. Moi, oh, c'est quoi ça? J'ai pris des dégâts. Il faut que je fasse attention. Prends barrette et claque son attaque spéciale. Pas en mode bravoure, c'est pour bloquer les attaques corps à corps seulement. L'attaque bas. Ok. Ouais, il part en couille le machin. Hey, il se passe un truc bizarre. Une fonction d'auto-réparation. Vite. Quoi? Auto-réparation? Ça marche. Il va voir ce qui va pas. Il faut frapper fort dans cette écumaille. Guettons le bon moment. Ah là, je m'arrête plus là. Non, tu vas pas te réparer, mec.
maintenant. Profitons de l'occasion. Je vais le réduire en morceaux. Mais tu sers à rien depuis avant, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux réduire en morceaux, là? C'est le moment de faire mal. Rate voilà. L'occasion. Porte pour toi. Que je te surprenne pas à essayer de l'épargner. Allez, allez. Wouh, meurs. Wouh, il est mort. Putain, j'ai galéré. Je peux bloquer les projectiles. Ah d'accord, c'est bon à savoir ça. On est dans la merde. Dans 20 minutes. Ah, là il faut tracer là. Au revoir. Là il faut qu'on trace notre route là. Ah, prends-en de la graine. Ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Vite, sortons d'ici. Vas-y, on se barre, vite. On l'a que 20 minutes. Wesh nous assure une voiture. On fonce à la sortie. Run for life! Vas-y, monte ton gros cul! Allez, bouge! Ne pas mourir ici, maman! Ah! Non, c'est pas le moment! Cassez-vous! Oh la salle! Ah putain, il me bloque en plus! Ah, je peux pas monter. Putain. On peut pas esquiver les combats. D'accord. C'est bon là. C'est juste que l'autre mode fait plus de dégâts. Mais tu parles de quel personnage? De Cloud? What the fuck. Est-ce que ça va? Pas vraiment! Ma jambe est restée coincée! J'ai eu chaud! Hé! Hey, on se retrouve là-haut! Fais tout pour protéger Jesse! Espèce de lâche! Mec, qui nous laisse là, wesh! C'est par ici! En vas-y, go! Par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. Espèce de lâche! Bah, je ramasse les trucs. Qu'est-ce que je fais? Ça, j'ouvre un coffre. Allez, Cloud, tu peux le faire. Dépêche-toi, mon ami. Mais vas-y, monte là, bouge ton petit cul. Allez. Fais comme tu veux. Ah, j'arriverai avant toi en haut. Nananer. Youhou! Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Et maintenant? Tu pars devant, Jesse! Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes! Et vous? Ah, il parle pas, Cloud, dans le premier? J'ai un souci à te faire! J'ai un super soldat avec moi! Ancien super soldat. Les voilà! Faut les arrêter! Mais pas nous emmerder! Ça va bientôt péter! T'inquiète pas, ça prendra 5 secondes. Nana, on ne sait plus quand tu veux faire des choses. Ah ok, il est muet. C'est un personnage muet. Oh putain.
fait un peu beat des moules comme ça en fait hein. Allez meurs. Voilà. Let's go. On s'arrache. Allez viens mec. Encore. Mais arrêtez de m'emmerder là. Après je présume qu'on débloque d'autres combos pendant le jeu, non? Oh elle m'a baisé. Alors ça t'embouche un coin hein? Pas vraiment. Mesdames et messieurs. Oh. C'est qui lui? Il m'a fait peur celui-là. Il faut pas grand chose. Combattant? Mais t'es qui toi frère? Oh ce que je t'ai mis mec. Oh je l'ai découpé sa mère. Un vrai jeu d'enfant. Normal pour un gamin comme toi. Ah vas-y mais barrette, aide-moi wesh. Mais oh putain ils m'ont mis à terre. Ils sont chauds. Par contre la caméra elle est un peu mal foutue hein. Elle me fout la haine, la tourelle. Voilà. Oh merde, encore une. Ah mais j'ai pas encore la truc spécial. Voilà hop. Vous m'excusez si je suis un peu nul mais comme c'est la première fois que je joue je découvre hein. Merci privilège checker. Eh hey, n'oubliez pas de me follow aussi les gens. Ah merde j'ai un appel, excusez-moi un instant. Il faut que je découvre. Bien. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi.
Ça va aller? J'ai fait exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi. C'était criant de vérité. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais c'est les joies de l'astreinte médicale. Donc, quand le téléphone il sonne, il faut que je décroche. Bon, j'ai réussi, mission accomplie. J'ai sauvé la ville. C'est ça? Encore une bombe? Mais elle pose des bombes partout, elle, c'est une folle. Ah, c'est elle, la meuf. Oh, c'est mignon. Ah, il nous tease un petit peu là. Ce qui est bien pour les joueurs comme moi qui ont pas fait le Final Fantasy, c'est que je vais découvrir l'histoire, c'est cool. J'ai hâte de l'acheter. A mon avis, je pense que je vais le faire en entier en live. Final Fantasy 7 Remake. Ouais. T'as des beaux yeux bleus, lui. Je veux les mêmes. What? What? C'est qui, lui? C'est lui, Sephiroth? Ah, c'est Sephiroth, lui. Le beau gosse, là, avec les longs cheveux longs. Édition numéro de Deluxe. Bon, bah, j'ai pas l'acheter maintenant, hein. Bon, en tout cas, c'était une démo sympathique, ça a duré une petite heure, je crois, c'était cool. Donc merci à tous ceux qui étaient là dans le live. N'hésitez pas à me follow, les gars, à me suivre sur Twitch, puisque je viens de débuter, donc voilà. Ce serait sympathique de me donner votre force, etc. Merci Malhonnête pour le follow, ça fait plaisir. Et bah, dès qu'il sortira, je vais l'acheter, je vais le faire en live, et peut-être que certains d'entre vous reviendront sur le live... pour me donner des conseils et pour me dire quoi faire. Parce que comme dit, moi je suis débutant, donc tous les conseils sont bons à prendre dans les RPG. Hein. Savoir quelle arme prendre, quelle magie prendre, etc., etc. Donc merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur un prochain live. Et prochain live, bon je vous le dis, hein, le prochain live pour ceux qui veulent, c'est vendredi soir. Je continue le Life is Strange 2, l'épisode 4. Donc ceux que ça intéresse de découvrir ce jeu, ou qui le connaissent déjà, et qui veulent voir mes choix, bah, n'hésitez pas à venir. Donc vendredi soir à 21h, soyez au rendez-vous. Allez, bisous, à bientôt et bonne soirée.